bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, Sephora va manger ragout de pork avec du riz. Oh les oui. Avec des courgettes. Bon appétit, on vous aime tous très fort. Vas-y, goûte. Séance ASMR d'abord. Regardez mes nouveaux bracelets, je les aime trop. Vas-y, goûte, première bouchée. On va bien. Et tu me dis. On va faire comme toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas encore mis de viande. Non, mais la sauce et le riz déjà. Oui, c'est trop bon. C'est trop bon? Déjà, oui, là c'est bon. Normalement, la viande elle est censée être tendre. Vas-y, vas-y. Et bientôt Pâques là. C'est bon? Tu kiffes, hein? Alors bientôt c'est Pâques, bientôt on ira au parc chercher les œufs que le lapin va cacher. On ira genre faire un petit pique-nique. Oui. Et on ira chercher les œufs. Oui. Alors on lui dirait qu'il y a les oreilles. Et voilà. Est-ce que vous avez hâte? Tu as hâte toi? Moi je sais qu'Aaron il a hâte, il a hâte d'en parler. Vu qu'Aaron il est... Il est petit. Ouais, je vais lui en donner quand je vais en trouver. Tu vas pas faire la course non plus quoi, tu iras à mollo. Et puis voilà. Vu qu'il est petit, il va pas bien voir dans les arbres. Tu te rappelles quand on est habillé, quand on avait fait chasse aux œufs? Noé il y allait mollo avec toi, mais toi là, dès qu'il en trouvait. Ah oh la villageoise. Mais t'as t'énervé. Mais c'est moi qui ai trouvé. Je te donnais des indices. Noé il avait repéré depuis. Tous les œufs là, il avance, il voit, mais il me fait style, il me fait style pour dire j'ai vu ta quête, elle va prendre. Dès que tu t'approches, dès qu'il s'approche un peu, tu vois au dernier moment, tu te mets à crier sur lui, le pousser. Il a dit qu'il allait laisser pour toi. J'avais caché 55 œufs. Ah oui, dans le plateau là. J'avais mis tout un plateau et je les avais cachés dans tout le jardin. Je crois qu'à l'heure actuelle, il reste encore des œufs au chocolat dans le jardin. Parce qu'on n'avait pas tout trouvé. Il y en avait 55, mais au final, vous avez trouvé genre 40, entre 40 et 49. Donc, il en reste encore plein à trouver. Peut-être qu'il y en a encore. Comment tu criais? Ouais, j'ai essayé d'enlever le plus de parties où tu criais, mais il y en avait, j'étais obligé de laisser. Tu aurais dû les laisser comme ça, j'aurais bien vu. Mais déjà, quand j'étais en train de les cacher là, qu'est-ce que t'as fait? T'as essayé. T'as bien touché, même t'étais là en train d'essayer de guetter. Noé te chopait pour dire va pas regarder, sinon ça va perdre le goût. Ce sera pas pareil si tu sais où ils sont, ce sera pas pareil. Oui, on va les trouver en... je vais les trouver en 2D. Avec ta tête là. Même ceux qui étaient cachés, je te disais, c'est froid, c'est là devant toi, dans la zone. Et dès que Noé s'approche pour te montrer, là. Tranquille maman. Avec toi. Ah voilà. Si tu te tenais, il voit cette vidéo, je suis désolée. Est-ce que tu crois qu'Aaron va faire pareil? Parce que la fois où on a fait pique-nique avec chasse aux œufs dans le parc, Aaron n'avait pas l'âge pour bien chercher, t'as vu? Ouais. On avait fait chasse aux œufs avec Wastila et sa maman là. Même il y avait des petites filles. Oh, on avait caché le lapin de Pâques avait caché les œufs. Et il y avait trois filles, je crois qu'elles n'avaient pas fait la chasse aux œufs. Elles ont profité qu'on était en train de faire pour venir chercher avec vous. Elles ont dit, est-ce qu'on peut chercher aussi avec elles? Promis, on ne leur prend pas leur chocolat, c'est juste pour chercher. J'ai dit, vous pouvez chercher et ceux que vous trouvez, vous pouvez les garder. Vous avez kiffé. Ah là là. Top, on va faire pareil. On va aller chercher, je crois que c'est le 31. C'est bientôt quoi. Mâche bien toi, tu vas t'étouffer. Je mâche bien. Ben, faut bien, bien mâcher. Ta tête là. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse demain? Piscine. Piscine, mais avant il a déjà dit cinéma, il voulait que je vous emmène au cinéma. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête. En plus, nous on est malades. Rendez-moi, on est malades. Hein. À force de faire chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Qui t'a dit tomber malade? Qui m'a dit? Mon corps a dit de tomber malade. Il fait froid le matin et chaud
Ah, mais il a plutôt l'air d'être malade. Hein. Il a bien le nez bouché, ben. Ceci, ta voix, ça se voit. Bah oui. Il tousse depuis tout à l'heure. Là, c'est... tu crois qu'il est pas malade parce que je lui donne un Doliprane. Du coup, là, ça va, il a pas trop mal. Il a juste le nez qui coule, du coup, il fait toutes les deux secondes. Tu vois, on entend. Alors, mademoiselle qui n'aime pas les légumes, elle aime les légumes seulement en ragoût. C'est bon, non? Hein? Toute la sauce, là, c'est de la courgette. C'est que de la courgette, la sauce. J'aime pas la courgette. Mais tu aimes bien, là, non? Regarde comment tu... Quand tu manges, tu sais que quand tu manges la pitaya, là, les plats, là, chez le Thaïlandais, là, ils mettent beaucoup de courgettes coupées en fines lamelles. Ils sont sérieux, là? Ils sont sérieux? Dans la plupart des plats, ils mettent des courgettes coupées en fines lamelles. Donc tu crois que c'est des concombres, tu crois que tu vas manger des concombres, mais non, c'est des courgettes. Ah, vous voulez des concombres là, ce sont des courgettes. C'est même pas des courgettes bien cuites, hein, c'est des courgettes crues, ou à peine sautées 2 secondes. Et tu vois que t'aimes ça. Il suffit de juste mettre le bon goût et c'est bon. Sinon c'est pas bon. Et sinon c'est bon, regarde comment tu manges. Là j'ai mis 2 grosses courgettes dans la marmite là, regarde comment tu dégommes ça. Mais bonne la sauce, hein. Mâche bien. C'est pas la course, personne va te voler ton plateau. Avant, il a déjà dégommé ça aussi. Il voulait pas manger. J'ai mis la première cuillère, elle a fait Il a fini tout son assiette. J'ai tout le temps comme ça. T'as vu, t'étais bon? T'as vu? Mamie, elle est normal. Mamie, elle aime les légumes. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les légumes, mais on est obligé d'en manger parce que c'est bon pour le corps. Hein. Toi, t'aimes bien les légumes, ça se voit. Moi, j'aime bien les légumes. Bah, avant, j'aimais pas ça. Hein. Karine, j'aimais les légumes, moi, j'ai dit. Déjà, j'aime pas les carottes. J'en mange parce que c'est bon pour le corps. Les bébés carottes. Quand c'est cuit, là, je déteste ça. Quand c'est cru, juste parce que ça croque et que c'est sucré, j'aime. Mais souvent, quand en plus, on a mangé des carottes cuites là, à la place des petits. Quand c'est cuit, je trouve ça dégueulasse. La texture, elle est bizarre. Mais je fais toujours à manger avec. J'achète tout le temps des carottes. Et je les mange parce que c'est bon pour le corps. C'est ça, hein. Les seules choses que je pourrais pas, chou de Bruxelles et petit pois. Ça, même si c'est bon pour le corps, je veux pas. Moi non plus, j'aime pas ça. Pas bon. Les petits pois, en fait, ça n'a même pas vraiment un goût. Ouais. C'est juste que, il est inutile. Je trouve qu'il me sert à rien. Même dans le riz cantonné, pourquoi on le met juste pour la couleur, c'est tout. Du coup, je remplace les petits pois dans le riz cantonné par des oignons verts. C'est la technique. Donc, le cinéma, c'est quand? C'est demain ou après-demain? Après-demain. Après-demain? Genre dimanche? Ouais. On se fait un cinoche? Ouais. En fait. Même Karine, tout d'ailleurs, elle a dit on se fait un ciné. Et genre, elle savait même pas. Ah! C'est Aaron qui a demandé ça la semaine dernière? Non. Si, Aaron, on était dans la voiture. T'as dit maman, moi je veux bien aller au cinéma. J'ai dit ok, tu veux qu'on aille au cinéma? Oui. Après j'ai dit ok, je t'emmènerai le week-end, alors on partira tous ensemble au cinéma. Lui il dit non, il n'a même pas écouté. Je vais aller au cinéma avec tous mes amis. J'ai dit là. Mais moi aussi, moi il n'y a pas longtemps aussi, j'ai déjà parti au cinéma. Et alors? Il était en train de même pas, il m'a bien dit il veut aller au cinéma avec moi et avec Yaya. Il m'a dit maman, je vais aller au cinéma avec toi et avec Yaya, on peut aller? J'ai dit oui. Je vous emmènerai le week-end. Il m'a dit oui. Et là, il va faire non. ASMR. Tu veux me faire mentir? ASMR caca, ouais. Bon, je vais commencer à te faire plus de vidéos ASMR. En fait, tu kiffais ça avant. Mais là, tu voudras sans la nourriture. C'est juste avec les objets, c'est ça? Avec la nourriture, toujours? Mais tu m'avais dit que tu voulais ASMR, genre. Tu testes un paquet bon. Après, tu fais. C'est ça? Ok. Genre, ce sera pas un gros plat de nourriture, ce sera juste des petits snacks à goûter et à machin. Ouais, 2 petits sushis, tu fais. Genre ASMR, slime, ongles, pinceau. Ouais, et aussi, quand même, de la nourriture aussi, hein. Pop Rocks. Ok. Sans oublier la nourriture. Non, pas nourriture gros comme ça, là. Ce sera des petits trucs. Vraiment. Pourquoi tu me...
Mettez en commentaire si vous voulez que Sephora fasse des vidéos ASMR en mode comme ça, comme elle fait là, mais juste avec des petits snacks, genre plus de, d'objets qui font du bruit. Elle fera comme ça, genre, mais il y aura genre un ou deux snacks pour qu'elle puisse faire le bruit et que ça bouge comme elle veut là. Genre chewing-gum ou bonbon. Dans Sarah, et toi les musiques là, hein? Quand ça fait tchan 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 tchan. Ouais. Ouais. Mais tu sais, avant t'en avais plein, je t'en avais acheté plein, mais tu les jetais, tu les donnais à tes copines. Ça là? Ouais. T'en avais des colorés, je t'avais pris des rouges, des roses, des violets. Et ça, je les enlevais, juste un peu. Tu les enlevais, tu les déposais, tu les enlevais, tu les distribuais à tes copines. Tu les enlevais. Un comme ça? Un, deux, trois, tu donnais à tes copines. Je t'en mets, mais elle est sérieuse cette gamine là? Ouais, je pourrais faire ça pour 2 euros ou 20. N'importe quoi, 50 centimes le bracelet. Business is sachant business. Sachant que c'est 76 centimes le paquet. Business is business. Avec ta tête là. Ouais. Vas-y, on va dire Soga, il va lui raconter de la bêtise. Si j'en donne un pour 2 euros. Personne n'achètera pour 2 euros. À la fin, là, tout ça là. À part si tu me dis que c'est du vrai or. Ah oui, je veux dire ça. Faut pas être arnaqueuse. Il y en a 28, non, je rigole. Ah, il y en a peut-être 10 ou 15. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il y en a 30. Ok, donc, so 2 fois 30. So guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là. Pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.